Bonjour à toutes. Alors, grand merci aux autres là aujourd'hui. Mi cause vitement, parce que comme Daniel a dit aux autres, nous n'avons bon peu retard. Et oui, pour dire aux autres, comment il est important, mi cause pas si autres n'a bien conscience de ça, comment il est important pour nous, ça que vous avez fait là. Parce que c'est autres l'avenir, la Réunion, et c'est autres, ils prennent soin de notre langue, prennent soin de notre culture, aiment à lui, continuent, développent à lui, tout ça là. Donc, ça que vous avez fait, est vraiment sérieux. Et là, pas rien que moi, il dit ça, puisque aujourd'hui, il y a un tas de monde, il s'est dit aux autres, d'un instant, il y en a. Tout le monde de la Réunion aujourd'hui, les contents, vous avez fait ça. La région, département, l'État, rectorat, tout le peuple est là pour montrer aux autres comment les gaillards, ça que vous avez fait. Donc, Daniel, m'y arrête là même. Merci beaucoup, parce Dominique. Que nous l'avons pris trop au retard. Merci encore, Bonda. Monsieur bonne Dominique journée à tous. Là, eh bien, nous invite le président du CCE, M. Roger Ramchetti, pour quatre petits mots. Alors, comment il est ? Ah, comment il est ? Ah, là, mais quand on prend les autres, là, les bien, bonne marmaille, tout. Moi, il fait plaisir, moi, parce que moi, si, moi, t'es un la montré, moi, dans le temps, moi, t'es un instituteur, t'es 10 mètres d'école à cette époque-là. Donc, moi, je suis content de voir marmaille devant moi. Dans ma vie professionnelle, comme il dit, moi, la vie, tout ça là. Ben, aujourd'hui, moi, je suis content d'accueillir les autres, et avec honneur, respect, et surtout parce que, comme Dominique Carrel a dit, c'est les autres qui l'avenir de la Réunion. Et juste un petit mot pour dire qu'ils sont là pour travailler un peu avec nous, avec l'État, l'Académie, il y en a le Conseil régional, le Conseil départemental. Il y en a aussi la DAC, mais peut-être que va venir tout à l'heure, mais je ne connais pas, on va dire comme ça. Et il y en a aussi le Césaire, que je ne connais pas trop ce Césaire, mais je explique à autres un jour que ça allait, ça va être bonne de monnaie, il réfléchit. Bon, on peut dans la tête aussi, ça fait rapport. Voilà. Ça, c'est pour dire quelque chose, mais rapidement, c'est que moi, je veux dire aux autres. Quand moi, j'étais instituteur, comme il dit, tu dis à moi toujours, quand ma partie formée pour être comme ça là, elle dit, mais, ouais, mon marmaille maternelle, là, il cause bien, il dit bien, là, il n'ose pas, il n'ose plus que les autres. Ça donne l'imagination des autres têtes. Après, quand il arrive en CP, tout ça, là, marmaille, il a peur à causer. Il ne dit plus que les autres, il pense. On dirait comme ça, il est renfermé. Mais est-ce que c'est l'école, il fait ça comme ça, mais il ne connaît pas. Mais en fait, moi, j'ai un petit privilège en tant que président. Miguel, il voit un peu les autres textes. Il connaît un peu les autres textes, moi. Il donne à moi ça pour me faire un petit mot, lui mettre dans le livre là. Et bien, quand il regarde Zordi, que, parce qu'il y en a à peu près 1000 marmas, il a participé là, hein, il est à peu près en trois tiers, comme il dit, il a à peu près 300 primaires, 300 collèges et 300 lycées. Et bien, toute marmas, tout l'a écrit là, et bien, ça l'avait bon peu imagination. Bon peu imagination, c'est la cause sur toutes affaires de la société réunionnaise. Ça veut dire que aujourd'hui, notre esprit est beaucoup plus ouvert, certainement, ou alors là, on ne l'a pas remarqué à l'époque. En tout cas, je voulais féliciter les autres pour ça. Bravo à eux toutes pour ça, hein, parce que je l'ai écrit jolies affaires, de ce côté-là. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'important dans la vie. Il faut rêver tout le temps, voir toujours plus grand, et il ne faut pas hésiter. Donc, vous avez fait ce travail-là, mais déjà, un grand merci. Et il est vrai que pour faire ça, la veille, ben, la montrer, ben, vous avez donné un petit coup de main, vous avez donné à Zot, la cause avec Zot, la fait apprendre à Zot comment il écrit un petit peu plus comme ça en créole. Mais en gros, ben, là, fait péter la colle, donne l'école. Voilà, c'est ça que moi, je veux dire à Zot. Ça, était bien, mais continuez, faites pas la colle dans l'école. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci bien. Maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Hérudel, représentante de Monsieur le Président du Conseil départemental. Bonjour à toutes. Vous allez bien? Bonjour à la vice-présidente de la région, chère Patricia Profil. Monsieur le Président du Conseil de l'Éducation, de l'Environnement, de la Culture de la Réunion, Madame la représentante du Rectorat, Madame Marthe Robert, Madame la représentante de la DAC, Mesdames et Messieurs, Marmaille, bonjour à toutes. Franchement, il fait plaisir de voir la salle remplie comme ça. L'année dernière, moi, j'étais là, elle n'avait pas autant de Marmaille, et franchement, il fait plaisir.
Et moi aussi, comme Monsieur Ramchetti, mais m'y travaille toujours. Moi, elle est enseignante également, en classe élémentaire, habilité créole. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. En mon nom, déjà, merci pour l'invitation, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Monsieur Maillot, les membres du CCEE et la région. Au nom des conseillères et des conseillers, m'y voudrais aussi remercier la région, le CCEE, d'associer le département, notre collectivité, à cette action qui met en l'air la langue créole comme élément de notre quotidien, de notre histoire, mais aussi de notre avenir. C'est autres notre avenir. Daniel Honoré, dont nous rendons hommage aujourd'hui, à son modeste mais ô combien éminent niveau, l'a pleinement contribué à travers son bon mot, à travers son bon écrit, son causé qui résonne toujours dans notre tête. Et mais les cieux l'y entendent, nous d'où ça l'idée. Toute bonne peuple du monde n'a pas notre langue, et en particulier notre langue maternelle. C'est une relation intime que nous avons avec cette langue-là, sensible, affective. La langue maternelle, il veut dire, c'est la langue que notre maman y cause. Depuis dans le ventre, nous entendons cette langue causée-là. Tous les peuples n'en ont alors un trésor. C'est pour ça que toute la bonne langue dans le monde, il mérite d'être sauvegardée, d'être considérée avec respect, d'être enlérisée et d'être reconnue. La point N y compte plus que l'autre, toutes les pareilles, que ce soit le créole, que ce soit le français, que ce soit l'anglais, toute bonne langue y va à l'azote. Il faut que nous ayons conscience de ça. Il ne faut pas nous la honte cause créole. La société réunionnaise l'a été faite à partir de monde et sorte de toute qualité pays, l'Afrique, l'Inde, l'Europe. Au lieu de sombrer, ce bon monde que l'a été déshumanisé, l'a résisté et l'invente un moyen de causer, un langue, le créole réunionnais. Et si depuis le début de la reconnaissance de cette langue l'a été dure, était obligé de faire en cachette, nous n'avions pas le droit de cause en créole. La case peut-être, mais pas l'école. L'été interdit de cause en créole. Eh bien, nous peut dire qu'aujourd'hui, quand même, nous l'a fait un grand pas, que ce soit au niveau de l'éducation, que des collectivités, que des associations, que des acteurs, de tous ces bons auteurs, comme M. Daniel Honoré, bien entendu. M'y tient d'ailleurs à féliciter également la région pour l'initiative qu'elle a été lancée il y a quelques mois de ça, avec la première dictée en créole français. Bravo à Zot et bravo également au rectorat que l'a initié ce projet. Merci. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement la langue que l'a enlérisée, que l'a mise en l'air, mais c'est aussi un patrimoine. La langue, il sert pour faire vivre notre patrimoine. Il veut dire que le souvenir l'est mis en l'air par le créole. Et ça, c'est important. Il faut que ce souvenir-là, il résiste, notre patrimoine. C'est Zot qui nous transmet ce patrimoine et c'est à Zot de faire relever ce patrimoine-là. Je voudrais dire un grand merci à Zot Marmaille, grand bravo à Zot toutes, ici présents, à tous qui ont participé à cette action-là. Bravo aussi aux bonnes la montreuse et la montreur, bonne maîtresse et bonne maître. Bravo au CCEE, bravo à la région. Et Marmaille m'y redit à Zot encore, c'est Zot notre l'avenir, c'est Zot notre flambeau, c'est Zot qui doit relève à nous. Talola me disait que la pointe est longue en plus que l'autre, l'un plus que l'autre. Et bien aujourd'hui, Marmaille, c'est autres, aujourd'hui, les plus. Et merci d'avoir écouté à moi. Merci beaucoup, Madame Hérudel. Nous invite la représentante du recteur, M. Mourier, Madame Marthe Robert, à prendre la parole, s'il vous plaît. Inspectrice régionale de lettres. Bonjour à toutes. Nous le savons bien, la langue créole occupe une place essentielle dans le quotidien et l'imaginaire de nos élèves. Depuis 5 ans, le prix Honoré pour l'école leur offre l'occasion d'écrire, de s'exprimer, de créer en créole réunionnais. Ce concours sollicite leur intelligence et leur sensibilité, leur entrée en lien avec leurs racines et l'imaginaire de leur île. Si l'oralité imprègne le quotidien, c'est le passage à l'écrit qui structure la langue et participe à sa vitalité. L'écriture de ces fonds-cœurs offre à nos élèves la possibilité d'entrer en relation intime avec leur langue, d'en maîtriser la construction grammaticale et la graphie, de devenir des locuteurs éclairés qui pourront à leur tour transmettre une part de leur identité. Qu'il s'agisse des textes écrits par des marmailles, des collégiens ou des plus grands, tous les olicosés offerts à notre lecture révèlent une qualité d'écriture et d'engagement qui inspire le respect. L'indéniable musicalité des textes, leur douceur ou leur puissance, évoquent les thèmes qui reflètent la sensibilité de ces jeunes ou révèlent leurs préoccupations.
L'émerveillement vis-à-vis de la nature, l'agacement provoqué par un insecte ou un ladilafé, le questionnement identitaire trouvent leur place auprès de souffrances plus personnelles ou d'une révolte face à l'injustice ou face au harcèlement. Le rythme spontané, encouragé par les artistes intervenants, que nous saluons, crée des images dont la poésie révèle une lecture du monde profonde et intime. Je rejoins Mme Hérudel sur ce point. En 2024, l'augmentation significative du nombre de classes inscrites, 53 classes du primaire au BTS, montre l'engouement des élèves et de leurs professeurs pour ces productions dont ils mesurent les enjeux. Ce sont cette année 916 élèves qui participent à ce concours prix honoré pour l'école et nous remercions l'ensemble des professeurs pour leur implication. Nous sommes particulièrement heureux qu'un professeur d'allemand également, ait inscrit une classe de lycée à ce concours d'écriture. Cela nous montre à quel point la langue créole constitue un pont vers une meilleure habileté dans toutes les langues. Cette collaboration entre l'Académie de la Réunion et les collectivités est l'un des socles de la réussite de tous nos élèves. L'année passée, moi la promis, M. Ramchetti cause un bon peu en créole. M'y connaît bien les difficiles pour bande marmaille, cause une langue dans l'école, avec une autre langue dans le locker. L'autre deux langues est valable. L'autre deux langues est important pour réussir. Aster, nous les fiers, sa coule à écrit. Toute bande texte la touche à moi. Chacun la démaille son esprit. Chacun la détaque son langue pour dire ça que nana dans le cœur. Anne Mamaï l'a écrit, voler, voler dans le masiné. Merci à vous, jeunes gens, de nous inviter toutes et tous à ce voyage dans votre imaginaire. Merci beaucoup, Madame Marthe Robert. On a le plaisir d'accueillir Madame l'élue à la région, représentante de la présidente de région, Madame Patricia Profil. Monsieur le président du Conseil de la culture, cher Roger, Madame la représentante des affaires culturelles de la Réunion, Madame la représentante du recteur de l'Académie de la Réunion, Madame la conseillère départementale, Mesdames et Messieurs, et tout en parmi, bonjour à la société. Yeah, cric! Yeah, Mystic Cric! Yeah, Mystic Crac! Criquet! Eh, mais ça causé si mon histoire élémentaire n'a pas moins l'auteur. Hein? Mais elle est contente, mais elle est très contente d'être là aujourd'hui pour le prix honoré pour l'école 2024. C'est aussi un gaillard à l'hommage que nous rend un bourg, il appelle Daniel Honoré, il est né pas trop loin où Samy habite là-bas, côté Saint-Benoît. Il était professeur d'anglais pour dire comment il aime les langues. Donc il aime son langue, il aime aussi d'autres langues. Mais revenir enfin de mon discours là-dessus. Depuis le début que ce prix-là existe, la manifestation là, connaît un gaillard succès. En plus, la région est avec Zot. À travers ce prix-là, Bonne Mama y gagne exprime Zot l'émotion, Zot manière l'écrit. Zot y montre aussi que notre créole les gaillards. Le prix honoré pour l'école, il pèse aussi si la place nous donne notre langue dans l'école. Cause créole, cause à nous. Il dit Gaël Véléien. Ça même notre début, ça même notre histoire, ça même notre espoir, ça même notre manière, dit notre l'émotion, notre sentiment. La parien, s'ils ont dit, il est dans l'école. Pour ça, nous remercions tout le monde qui travaille. Le rectorat dans son ban politique d'aménagement linguistique, la DACOI, le ban des associations comme l'Office de la langue et la région, bien sûr, le département, n'oublie pas nous. Notre travail, notre objectif, c'est de trouver un équilibre pour faire coexister en harmonie toutes les bonnes langues dans l'école. Parce qu'il dit à plus un enfant il cause plusieurs langues, plus il est riche. Et notre position, les gaillards là-dessus, nos enfants, ils baignent d'un vrai plurilinguiste. Ce que je dois dire à Zot, tu m'as écrit deux, trois petits mots parce que je aime bien faire un petit fond de cœur. C'est pour ça que mes bons enfants, ils aiment faire fond de cœur d'ailleurs. Donc, ma lague, un petit fond de cœur pour Zot avant, mais ça va. Criquet! J'aime bien dire « y'a écrit qui craque » parce que je trouve ça joli aussi, comme les notes, hein, mais ça l'est entier, ça l'est pas nous. Mais nous peut dire parce que l'est aussi dans la langue créole. Mon langue, mon zalo, mon langue. Qu'aime la rode cachette à ou dans la cuisine. Qu'aime la rode mette à ou dans le temps de couvert. Qu'aime la rode tape à ou. Qu'aime la rode humiliée à ou. À ou même notre langue l'amour.
à ou même y éclair mon cœur dans le feu noir, à ou même mon douleur, à ou même mon malheur, comme une caresse dans mon cou grand matin, comme une cuillère de miel si mon langue, et où me dig-dig le mot, me dig-dig le cœur, et mon fond de cœur. Me fait lève à ou comme une reine, comme un marronnier. Me fait lève à ou comme l'espoir notre gaillard, comme l'espoir notre mémoire, comme l'espoir mon bon frère. Qu'aime la rode cachette à ou, qu'aime la rode touffe à ou, qu'aime la rode ten à ou de bout comme ça alors, à ou même nous toutes, à ou même nous de bout, à ou même, à ou même. A ou même miem, mon créole fagoté, mon créole en lu, mon créole en lit, parce que mille un créole, mille créole. Merci à toutes, m'espère vous apprécier. Criquet! Criquet! Merci beaucoup, Madame l'élue. La grande île, le monde partout, la trouve la vie. Tu écoutes là, la grande île, plus fort, le monde partout, la trouve la vie. La montagne. Dans son cœur, des prébendiers, pour pétons. Un grand bateau envers la mer, la caresse. Un grand bateau envers la mer, le ciel y caresse la montagne. Au soleil, dans son cœur, l'hypri, au péton, Paris l'a pris. Bravo. Si Zot l'est là, c'est parce qu'elle avait un jury. Mais rassure à Zot, toute ça te l'a participé. L'est en l'air, toute ça te l'a participé. À Zot, Zot l'est en l'air du en l'air. Vu que j'allais dans les hauts de mon gaillard, tu vois. Ça, voilà. Ça, mais tout le jury l'a remercié à sa façon. Toute ça te l'a participé. Et donc, toutes les en l'air. Et le jury qui l'a fait ce travail énorme-là, ben, elle est représentée par Monsieur Francky Lorette, président du jury. L'a dit comme ça, aujourd'hui, nous l'est pour le prix honoré. Quel était son prénom? De mon a fait joli causement avant moi, mais ça pas cause longtemps. M'y appelle tout de suite les autres membres du jury, c'est-à-dire Monsieur Victoire, Madame Bourdon et Monsieur Lefranc, Madame Écormier, l'excusez, elle n'est pas là aujourd'hui. Chacun va bien dire son petit mot. Moi, ça que m'y veut dire, ces concours-là, pour nous, en tant que membres jury, nous donne pas le prix, ça qui aime le plus la réunion, nous donne pas le prix, ça qui aime le plus la langue. Non, nous donne le prix, ça qui jouait le plus ensemble le mot. Parce que concours-là, l'est un concours pour la langue, pour la littérature. L'est un concours pour ça qui jouait le mot. Tout de monde y gagne jouer le mot. Tout de monde y gagne écrit. Le mot est comme un ballon, ça. Tout de monde y gagne jouer football. Ce moment-là, pas tout de monde Mbappé. Adieu à toutes. Alors, pour féliciter à Zot, m'a appris toutes les bonnes fonds de cœur et m'a fait un autre fond de cœur qui a bossé. Si Zot y entend les autres fonds de cœur, Zot y crie « Ouais !» Dans mon temps d'if bien fermé, moi la capaille est à confondre qu'il y a bonne marmaille, l'école, collège et lycée. Bien fermé, serré, panga, zoti chaploumaï, dans une belle alane, là-haut, dans une matarum, sans ça, sur la pente, volcan. Voilà, la reconnais, zot. Sans grand monde baba, grand monde le gol, mon montia, nous la fan fan azot en Pounzakil. Tout bon mot,
la vol volée pour faire un grand arc-en-ciel, la embellise mon cœur, la enlérise mon causé. Bonne mot pour dire notre patrimoine, notre matrimoine. L'odeur mon épice est colère devant l'injustice. Bonne mot, il caresse mon gosier, sans main mieloya. L'a pas besoin caméléon, il imite l'endormi. Pour retrouver dans une cheminée d'établissement, la couleur, la colère, l'odeur notre pays, douleur notre caniqui. Payanke la prête son plume, pour zot écrit, joli mot. Zot la faune qui rise notre réalité, pour rendre un chemin moins galaisé. Exot, chaque fanal y éteigne, n'a mille var allumé. Zot mot, y rend la source plus claire. Pougamia, la faisier douce en pied coco. Tout pied de bois, la fait un bal s'accord. Somme tout ça là, moi la faufile un tapis mendiant. Où ça n'a point l'oreille, il râle d'un fautrin. Où ça, notre Gaïa, il brate des enchantements pour avancer plus loin. Sur le bord tapis mendiant là, toutes bonnes oiseaux la rentrent d'un rond pour faire zinzin. Jusqu'à l'escargot, la fait ami avec fourmi grand galop. Merci, toutes bonnes azakel, tambi et tangati. Sommes autres, le sel nous causait n'a un goût si rogalabé, si un bonbon, la route. Bravo à Zot. Merci, Monsieur Victoire. Alors, bonjour à toutes. Donc, moi, Pascaline Baudon, première année, m'y fait partie de ce jury. Mes voix de sourire, mes voix de toutes, je ne peux pas savoir comment elle était une émotion immense pour moi liée à toutes les bonnes textes. Comme mes voix de aujourd'hui, me dit que ce dispositif-là, il mérite, il est en l'air, plus loin qu'en l'air. Parce qu'il est dans Zot, la confiance en Zot, exprime à Zot dans Zot langue. Et Zot, pour moi, parmi Zot, il y en a plein de petits poètes de demain, parce que Zot écrit, Zot la met Zot cœur sur la table, toutes sortes de qualités, émotions, les partager, Zot joie, la nature, la famille, les idées un peu plus sombres, tout ça, Zot la met sur la table. Et vraiment, bravo Zot toutes. Cette gagne pas le prix, pour moi, Zot tout y mérite. Continue comme ça, parce que Zot demain, avec la confiance que Zot y gagne en causant créole, en écrivant créole, ben, elle est multipliée par l'infini. Et Zot va traverser partout. Un joli demain pour Zot toutes, futur poète de La Réunion. Ben, bonjour Zot toutes. Je m'appelle Jean-Sébastien Lefranc et m'y passe après toute de moon. Donc toute la finzi, mais bon, il sort le pomme, pas perdre rien. Se manquer ce matin, hier soir, n'est un moment, la fenêtre son marmaille, et promis à faire Tibaba, là, l'a entendu, c'est Mie Mao mon gâté. Se manquer, n'a un grand moun, d'un moment difficile pour son tifi, la diaï, mon Catherine, tiens beau, l'arpa. M'y connais pas pour autres, mais m'y vois pas le bon causement là, autrement qu'en créole. Alors, Zordi, mi voix azote là, mi voix tout ça, la montrer à professeur, jury, intervenant, artiste, élèves. Bravo azote, parce que ces autres, dans 10, 20, 30 ans, ces autres va faire en sorte que zot langue, zot culture, elle est toujours là, depuis la naissance jusqu'au bout même. Alors, bravo azote, parce que zot y dit, zot y crie, et zot y chante, que zot va pas lag, zot langue, zot culture, à terre. Merci. Merci beaucoup. L'attaque directe, la remise des prix n'aura pour les écoles, pour les collèges, pour les lycées. Nous commençons par les écoles, et le jury, à un moment donné, a eu quelques difficultés à départager, et il a décidé de donner des coups de pouce, des coups de cœur, troisième prix, deuxième prix, premier prix. Parmi les coups de pouce, nous savons vite, Néna, cinq coups de pouce dans les écoles, Néna, la classe CE1, CE2 de l'école des Goyaviers. Nous demandons à Zot, nous demandons la montreuse, mettre à elle debout. Bonna l'a écrit de jolis textes, il s'appelle Mon pied l'or. Voilà, cette classe-là a fait un gros travail, avec un grand fond de caisé à part la taille et par le talent, M. Jean-Yves Voireau, que l'a été à la balle. Mon pied l'or, bravo beaucoup à Zod. Mon pied l'or, dans mon jardin, on a un pied l'or, un vrai pied l'or. Un bel applaudissement, s'il vous plaît.
Ensuite, nous invite pour le deuxième coup de cœur, la classe CE1, l'école Jean Massé. Avec comme Funkeser, monsieur Olivier Cadet. Alors, le texte qui a été primé avec cette classe, c'est l'imaginaire. Ça même? Ça, tu veux dire un petit paroli ou pas? Criquet. Craquet. Ça raconte à zot des histoires. Un histoire et cause dessus la cause gonie. Banat est sur la mer dans le grand bateau pirale la buse et zot et doit rejoindre la place. Le premier tarif sur le sable. C'est gain cadeau. Oui, oui, je l'ai bien compris. T'es un couesgoni dans l'eau. Un, deux, paf. À la tous animaux des morts. Le premier tarif sur le sable, t'es gain cadeau. Merci beaucoup. Merci. Astin nous invite la classe CE1 de l'école Perret-Forcade à mettre azot de bout avec son Lamont 13, Madame Selin Warreau, la classe CE1 avec son texte Miromagine. Astin nous invite la classe CM1 de l'école des Camélias avec Madame Lucie Pontalba à mettre à elle de bout pour son texte Mon bateau. Bravo, un bel applaudissement. Toujours avec Gaël Véléien comme fond de Kayser. C'était les cinq coups de cœur, les cinq coups de pouce. Ça nous passe au coup de cœur et nous enchaîne. Nena, la classe CM1, CM2 de l'école René Perianayagom. Saint-Louis. Bravo. Avec Madame Vardapin. Bravo beaucoup pour un texte, Nout Matrimoine. Voilà, Nout Matrimoine, c'est le titre global et Nena, cinq fonds de cœur dedans. Mais de toute façon, tout le monde aura le livre tout à l'heure et tous les textes les dans le livre. Zoti pourra lire tranquillement chaque fond de cœur. Bravo. Bravo encore. Deuxième coup de cœur à l'école. ACR nous invite la classe CE2 CM1 de l'école Émile Moreau, Saint-Benoît. Avec comme la montreuse, Madame Lesquelin. Et comme fond de Kayser, Monsieur Jean-Yves Warreau. Le texte s'appelle Animaux. Bravo. Asteno passe au troisième prix, l'école. Et là, un bel applaudissement pour la classe CE2, l'école élémentaire, Félicienne Jean de Saint-André. Avec Monsieur Tonan Alem comme la montreur et Monsieur Jean-Yves Warreau comme fond de Kayser à la travail exote. Alors, le troisième prix, Nena, le texte. Le Fonquer, Simon Bateau l'amour, Antipé par Antipé, Maloya Cartier, Mon rêvé, mon voyager, voguer, voler, aller. Simon Bateau l'amour, moi va mener mon famille à cause miyem azot. Moi va mener aussi Pichou, mon zoli ti boule la poêle. Bravo. Le deuxième prix. Nous invite la classe grande section CP de l'école élémentaire Les Goyaviers pour un ensemble de textes qui appelle Animaux, mon pays, notre l'île intense. Bravo, un bel applaudissement pour Bonna. Fourmis, grand galop. Si son tête, un chapeau, un joli chapeau. Son paletot, son chapeau, ôté comme l'île est beau. Fourmi lavourée, 6 pieds, l'y mettre 6 souillés, comme l'image en biais, et ben y a tombé, capoté, chaviré. Merci beaucoup, Mamaï, et la Madame la Montreuse, et Monsieur Le Fond de Kayser. Et Astor, pour le premier prix, nous va invite la classe à venir sur scène, nous invite la classe CE1 de l'école Émile Moreau. Émilie, 1000 excuses, 2000, 3000 excuses. Donc le texte s'appelle Notre île intense. Elle dit brise la levée. La danse qui a ronflé un camp. À coup, l'eau cadence un caillon. Un faux la soufflé. Et la faute la couille. Et le cœur t'es en battement. Badaboum, 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 badaboum.
coûte ravaser les quais battés. Badaboum, badaboum, badaboum. À coûte ravager roulèrent battés. Un courant d'air à la sacouille. À coûte joli miemier zamzélé. À coûte joli miamier bob. Ensemble cadence un caillou. Ensemble ravager un poulet. La chante vous, la chante vous autres, un aloya vous dit nous. La classe CE1, l'école Émilie Moreau. Un bel applaudissement. Bravo. Merci, ça c'était pour la partie école. Astéa nous passe au collège. Coup de pouce collège, la classe 5e collège Les Aigrettes avec Madame Jean Blu. Avec comme fond de caisse Monsieur Jérôme Couteau. Le groupe de texte s'appelle Colère. Deuxième coup de pouce, nous traverse l'île, nous sapons à côté de l'Est, la classe 4e collège Bassin Bleu. Mon rêve, liberté. Avec comme professeur Madame Waro-Técher, et puis Monsieur Olivier Mussat comme fond Kaiser, et Madame Céline Aouniem aussi. Astéa nous passe Coutquea Collège, classe 3e, collège Adam de Villiers, Saint-Pierre, la vie de Moon, avec comme professeur Madame Lindsay Anzouli, et comme fond Kaiser Madame Bernadette Pluie. Un bel applaudissement pour cette classe, s'il vous plaît. Le texte s'appelle La vie de Moon. Et il me rappelle à Zot, hein, tous ces textes-là, il offre à Zot tout à l'heure, il sera dans le livre que va offrir à Zot. Zot va prendre le temps de lire ces jolis textes-là. Deuxième coup de quai à collège, la classe 3e, collège quartier français. Avec comme professeur Madame Marie-Reine Valiamé, que l'est derrière là-bas. Et puis comme fond caissier, Monsieur Jean-Yves Voirot. Hey, gars, plus il y a fond de quai, il fait partie d'un fond de quai, il appelle. Comme un seul pays, mon pays Cayambe, à où, mon enfant, mon pensée l'époux, et histoire le Caire. Bravo. Bravo. Après les coups de pouce, après les coups de Caire, nous passons au prix, troisième prix, classe 5e, collège Plateau-Caillou, Saint-Paul. T'es là-bas. Bravo. La 2-3, notre joli chapeau. Donc, troisième prix, avec comme professeur Madame Brigitte Reine-Claude Vigne, et comme fond de Kaiser, Madame Vigne, que l'est là, comme fond de Kaiser, Monsieur Sébastien Refest, plusieurs fonds de Kaiser, midi-pi, moi la paix, t'y bêtes insectes, harcèlement, le stress, l'a dit la fée, mi-gain-pi. Classe 5e, collège Plateau-Caillou, bravo. Deuxième prix, classe 6e, collège Thérésien-Cadet. Python Sainte-Rose. Mamaï. Avec notre professeur, Madame Joëlle Dubreuil. Et fond de Kaiser, Monsieur Jean-Yves Voirot. Alors, le texte s'appelle Allons battre carré Sainte-Rose. Mais il y a plusieurs fonds de Kaiser dedans. Je vais découvrir ça tout à l'heure. Bravo. Bravo. Pour le premier prix, nous va inviter la classe à venir sur l'estrade. La classe 5e, collège Pointe des Châteaux, Saint-Leu. Le texte y appelle Dan Babang. Allons, Marmaille. Regarde ça, là, il est donné à toutes vous autres. Vous en avez la chance, hein? Un bel applaudissement encore, s'il vous plaît. Premier prix collège cette année. Dan Babang y appelle. On l'a bien avec coup de chapeau. Trois gros coups de chapeau. Encore une fois, Zandi. On l'a tombé avec la douleur. On l'a tombé avec la colère. Encore une fois, soi. Mon esprit la glisse d'être noir. Astéa, Paris, mais habite dans la forêt. Je connais pas vraiment sa ville. M'y rêve, m'y rêve pas. M'y connais pas, m'y connais pas. M'y entend de l'eau couler. M'y prends tu quand bien frère. M'y garde mon reflet. M'y sent plus mon bambou. M'y respire bien tout d'un coup. Un rayon de soleil clair, maman. La brise, m'y caresse, maman. M'y sent moins libre. Libre, libre, libre.
Libre comme un paillon au cul. Comme libre, moi les pieds très cassés. Libre, sur la chaîne, moi, le pied. Libre, mais ça va où ça m'y Libre comme marronnée dans le sentier. Aster, moi les tranquille. Aster, mais les pieds les vies. Mais m'y entend coq chanter. Mon l'enfer, il s'est continué. Mais la cause autre, ça, moi. Neige jour, j'appelle demain. Classe 5e, collège Pointe des Châteaux, Saint-Leu. Merci beaucoup. La case, mon maman, m'immense caribou l'ail. La case, il m'a la voyage, m'immense le vin sous l'eau. La rose est tombée, la rose est tombée, la rose est tombée, la rose est tombée, voyage. Des cimentaires, la rose est tombée, voyage. La rose est tombée, voyage. La rose est tombée, voyage. Des cimentaires. Ça nous passe au lycée, coup de cœur lycée, et comme pour les écoles et les collèges, nous invitons les classes qui reçoivent les coups de cœur à mettre azote debout pour que tout le monde y voit azote. Mais bon, alors, coup de pouce d'abord. Classe terminale professionnelle, lycée Paul Vergès Saint-Paul. Cossa, un créole. Bravo. Cossa, un créole. Ensuite, un autre coup de pouce pour la classe terminale professionnelle, lycée Paul Vergès, pour un texte qui s'appelle Marronnage. Avec votre professeur à montrer à Madame Laurence Dallot-Gauvin. Et comme Fonkezer, on a Eric Layema et Tania Boristen, que la travaille avec Bonna. Merci beaucoup, bravo, bravo. Ensuite, on a la classe seconde, lycée Vubel, Saint-Paul. Avec un texte qui s'appelle Harcèlement. Professeur Madame Jean-Blu l'a montré à Monsieur Jérôme Couteau. Bravo. Ensuite, un autre texte qui s'appelle Cossa le Bonheur, classe première technologie, lycée. Attends, lycée Paul Vergès, ça gagne tout quoi. Lycée Paul Vergès, classe première technologie, Cossa le Bonheur. Toujours comme professeur Madame Dallot-Gauvin. Avec Eric Layemar et Tania Boristen comme fond de Kayser. Bravo. Bravo, Azot. Et encore un coup de pouce. Le texte s'appelle Mon pays, classe BTS, lycée. Bravo. Voilà pour les coups de pouce. Astia nous passe pour les coups de cœur lycée. Et pareil, m'invite les classes que Miss a nommées à lève Azot. Pour un texte qui s'appelle Fanal Flair, l'espérance, classe BTS, lycée Paul Vergès. Toujours avec Madame Dallot-Gauvin, Eric Layemar et Tania Boristen comme la Fond Kayser. Bravo. Deuxième coup de cœur, lycée. Et là, exceptionnellement, si vous êtes d'accord, nous va inviter Sébastien. Où ça y est, Sébastien? À dire un petit extrait accompagné à l'accordéon par François. Classe première, lycée Antoine Roussin, Saint-Louis, avec comme professeur Adolphe Maillot et comme fond de Kayser, Adolphe Maillot. Alors, pour ça, tu ne connais pas. Juste une petite précision. Monsieur Adolphe, qui ça des autres assises? Ces autres moments de gloire là? Monsieur Maillot, tu vois le monsieur musclé, t'es là, là, t'en montes son biscotto là, tiens? T-shirt rouge là. La sorte, notamment un livre, si bonne fable que l'île la met en créole. Ah, comme dirait le monsieur les devants, moi, t'es là, là. Les dangereuses affaires, tu vois? Dangereux. Monsieur Adolphe Maillot. Exceptionnellement, Jean-Sébastien va faire un petit extrait. La voix épice. Alors déjà, félicitations à Zot. On a choisi un de Zot Fonker, il appelle Piment Cabri. À moins Piment Cabri. Mi sort un pays loin dehors, il appelle la Bolivie. Mais mon qui s'amilé, Aster à la cale, la Réunion.
C'est grâce à bons oiseaux que mon pied la prend racine. 8000 ans que m'y mettent les fées. Mes premiers débits, m'étaient juste pour décorer. Qu'il soit la chance, qu'il soit la malice, un jour un moon la trouve mon gabier. Zordi m'y met soleil dans le dîner rayonné. Croucaille par ici, rouge, jaune, vert. Toute qualité la forme, toute qualité grandeur. Nena mon bon cousin, typiment oiseau. Caroline a ripère. De toutes nous poids fort, mais prends pas la paire. Ensemble nous, donne l'opli meilleur à sa verre. Ni yen ni té, nous qu'y mettre dauphé. Dauphé donne la bouche, le bec. Et si zot bise, si nous comme des trois y boire la rac. Direct, nous poids aussi zot boyo. Mon goût avec mon couleur, y mettre volcan dans zot carri. Longue vie pour notre piment cabri. Merci Jean-Sébastien. Toujours dans les coups de quai à lycée, la classe CAP, lycée Rochemex Saint-Louis, Sizoti. Pour ce texte, ça dans mon cœur écrit. Voilà, bonne là-bas. Alors, avec comme professeur Madame Le Breton Gavier. Bonne elle a écrit un texte qui s'appelle Sac dans mon cœur écrit. Un bel coup de cœur pour cette classe de CAP là. Bravo, lycée Rochemec, Saint-Louis. Aster nous passe au troisième prix, lycée. Classe CAP, lycée Léon de Le Pervenche, Le Port. Pour un texte qui s'appelle Oussa Missort. La classe Le. Bonne jolie mama et gata. Les normales, bonnes, les grandes, elle est coince, à moi, là, il t'a, moi, la mienne, là. Le port, là, ça même. Bravo, bravo. Avec madame Ramanan Jara comme professeur et comme von Kaiser. Bravo, madame Ramanan Jara. Le deuxième prix lycée, la classe seconde générale, lycée Louis Payen, Saint-Paul. Dans le fond, là-bas, avec un ensemble de textes qui appelle La vie. Avec comme professeur madame Vinga Tesson et comme fond Kézès, la grande madame Céline Huette. Dans le fond là-bas. Tous les fonds Kézès et fonds Kézès, les là aujourd'hui, c'est des gens gabiers. Hein, mais si ils veulent lire Bande Gaïa, livre créole, Céline Huette l'a écrit de jolis livres créoles. Jolis fonds Kézès. La vie, classe seconde, générale, lycée Louis Payen. Bravo. Premier prix lycée, nous invite la classe à venir sur la scène. C'est la classe BTS, lycée Paul Véagès. Pour un ensemble de textes qui appelle « Démounage la vie ». Avec notre professeur, madame Laurence Dallot-Gauvin, et les fonds Kaiser, Éric Layemar et Tania Boristen. Viens Zot. La classe BTS du lycée Paul Véagès, Saint-Paul. Avec la fonquaisaise Tania Boristen. Alain, mon fond de cœur. Fond le cœur. Fais fond mon cœur. Intraler le mot pour faire mal. Intraler le mot, il fait mal. Le mot amoun donne malisé. Le mot amoun a scellé. Massiaqué dans la vie. Désenlérisé en cœur flétri. En démonisage, la vie. Bonnes histoires, il fait peur à moi. Mais aimerait pas, ils prennent mon vie. Mais aime pas, sorte mon cas à cause, elle la vie va vanguer. Et puis la retrouver en moi, violée. Ou sinon, ça perd en masse avec mon vie. Hadisi zizo, zisrisida, tito benzana mola hangu ambansera bahali. Nanda pari hambati zingariwa, auti ulawa. Le monde comme elle a, il fait peur. L'air qui marche en ville, l'assassin dans le coin. Paris poutre à pout de vie. Histoire le mort ces temps-ci, il y arrive n'importe à qui. À moi, à tuer, à Ali. Ali, 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 Zot, Banana.
Nous avons bombé la justice, il fait mal mon cœur. Jusqu'à quel heure ça ferme les yeux, ça ferme la bouche. Mais sans mon impuissance, à cause, mais je n'ai pas fait rien contre tout ça là. Sous le soleil et la mer, la guerre y tombe comme la pluie. Bon crasement dans le monde, y déchire la vie. L'époque la paix, la reste bloquée dans le cœur. L'espoir dans les étoiles pour un demain plus clair. Écoute, rouvres oreilles, rôde pas le goût. Écoute, notre frère, son opinion, partage notre parole, partage notre bonnes histoires. Écoute. Nous va battre la zèle, papillon. Demain nous va battre la zèle, papillon. Ali, il prévient pas. Demain, il arrive à coup de sec devant Oudier. Papillon, mais en dedans, il fait longtemps l'y attendre. Mais il a des petits mots avant. Papillon, même si tel il dit à où, il est là. Ention, il est fini trop tard. Papillon, il faut pas qu'il perde l'espoir. Elle sait affaire, il reste à où. Papillon. Il y a bouffé poussement l'époux. Un 16 à faire et tao. Il y a bouffé poussement l'époux. Profite avant Gaypi. Avant l'amour, il y a bien puis. Dis où il aime. Dis fort de funky en poème. À mon porte campement. À où les femmes comme papillon blanc. Demain, on va battre la zèle. Donne boîte chandelle. Ça a fini trop tard. Je dis au revoir. Papillon. Demain, on va battre la zèle. Papillon, demain nous va battre la zèle. Papillon, demain nous va battre la zèle. Papillon, papillon. La classe BTS, lycée Paul Vergès. Bravo. Oui, moi, trois petits mots, c'est pour dire vraiment un grand merci. Aussi, nous avons fini la Montreuse, nous avons fini aussi Ben von Keser, tout ça là. Mais n'oublie pas que le jury a travaillé, et Ben elle a travaillé bon peu, elle garde bien notre texte, hein, et vous allez la prendre notre temps, et vous êtes merci aussi. Et surtout, on a un peu de travail jusqu'à hier 1er mai, la nuit pour préparer la salle, tout ça. C'est toute l'équipe CCE, le travail bon peu même. Je vais dire un grand bravo et merci pour tout le courage à faire. Ah oui, j'étais déjà météo à Paris. Les vrais que tu vois plus souvent, Josiane, Léla, je connais elle maintenant, avec le temps qu'elle y fait. Dominique, Léla, mais il y a aussi d'autres. Anthony, mais il y en a un peu là-bas, il y a même Sac, tout ça là. Il y en a un peu comme François, il soulève parce que nous disons on s'est allé en panne ça dans l'immeuble là et ben là il porte ben, un paquet livre les lourds et donc tout ça là il mérite un applaudissement aussi pour vous autres hein. Tout là c'est très bien organisé, Miva Linda aussi là, Miva Padot, hein, Marie-Lou l'arrivée, Christelle, ah oui Christelle était là dans le couloir, voilà tes placements en bas, il est derrière la balle, il y a la pointe, elle est un petit peu honte mais il fait rien, c'est pas grave de ce côté là, m'a pas oublié personne Josiane. Les bons, d'accord, ben voilà. Tout ça, mais maman, si tu es là aujourd'hui comme ça, c'est parce que toute sa bande de monde-là donne un bon coup de main. Voilà. Merci pour vous autres et merci aussi pour vous autres même. Hein, voilà. Bravo à tout le monde. Bon, excusez-moi un instant. Les pagayas prennent la parole d'Eya Président. Ils disent, prends pas la parole d'Eya Président, mais elle a juste oublié de dire deux, trois petites choses sur le moka. Tout à l'heure, comme elle a pris la parole, mais était tellement dans mon émotion, elle m'a oublié. Donc, le MOCA, c'était un domaine privé qui appartenait à la famille Léon Dierx, le poète Léon Dierx. Et au fil des années, donc il a accueilli ce domaine-là, les apprentis d'Auteuil. Ensuite, M. Kadji l'a acheté ça, que l'il a revendu à la région. Et du domaine privé, il est passé au domaine public, c'est pour que je t'y connais où ça nous l'est. Donc avant, c'était un domaine qui était privé. Maintenant, c'est du domaine public et c'est un grand
avec une grande superficie, excusez-moi, qui arrive jusqu'au brûlé, si je ne me trompe pas. Et c'est bon de savoir, parce que des fois, Mahamaï, ça va quelque part, je ne connais même pas où ça se doit aller. Donc, il faut savoir que Léon Dierks, il venait passer ses vacances ici. Donc, nous, à chaque fois qu'il vient ici, il dit qu'on a un petit peu le privilège d'être dans cet endroit, que je trouve très joli, d'ailleurs. Merci. En plus, nous, Natalia Boris, t'es avec nous. Ben, Cali. À cause de Casa en paille, nous va faire l'amour. Et quand on aura la pluie,
Madame, merci, merci, merci. Vitement pour clôturer, vous dire encore une fois mille merci pour ce que vous avez fait. Et surtout là, quoi, continuer, hein, continuer à écrire. Début juin, je peux inscrire à votre classe pour l'année prochaine, pour le prix 2025. La fin de dire, Josiane, là, organise tout. Donc, bon appétit à toutes. On a une petite affaire pour manger dehors avant de savoir. Bon retour et merci.